Le climat devient de plus en plus la préoccupation numéro un des citoyens. C'est rassurant, c'est encourageant de voir que les jeunes, mais aussi les moins jeunes, exigent que les choses changent. On sent qu'il y a vraiment une envie, un besoin des citoyens de s'impliquer directement dans les décisions qui les concernent. Il y a aussi toute une série d'autres acteurs, mais aussi des pays qui sont à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique, comme par exemple, je pense au Costa Rica. Maintenant, on attend des grands pollueurs de ce monde et des pays industrialisés en général, y compris la Belgique, de contribuer de manière équitable à l'effort commun. Voilà, je dirais que j'ai vraiment envie que cette année, que 2020, soit l'année qui redonne espoir aux jeunes et à tout le monde.